Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Nabila et de Thomas Vergara. Vous les connaissez tous, Nabila et Thomas ont un petit garçon et ils habitent actuellement à Dubaï. Il y a quelques mois en arrière, Nabila et Thomas étaient au cœur de toutes les attentions sur les réseaux sociaux, notamment à cause de leur énorme clash avec la JLC Family, Jazz et Laurent. En effet, tout était parti extrêmement loin sur les réseaux sociaux. La Vergara Family et la JLC Family se taclaient continuellement, jour après jour. Il se trouve qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de grave et d'inquiétant au sein de la Vergara Family, puisqu'il y a tout juste quelques instants, Thomas a décidé de faire des snaps et il a révélé qu'actuellement, Nabila n'était vraiment pas bien du tout. Des médecins sont arrivés chez eux, ils lui ont fait une prise de sang et ils lui ont directement dit d'aller en urgence à l'hôpital. Car c'est vraiment très très inquiétant. Une fois arrivés à l'hôpital, Nabila et Thomas ont décidé de se confier et ils ont révélé qu'actuellement, personne ne savait ce qu'elle avait. Nabila a même émis la possibilité qu'elle soit actuellement enceinte. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Touche le nez à papa. Milan, nose, touche mon nez. Touche le nez. Yes, le nez de Milan, il est où? Le nez, non, ça c'est la bouche. Le nez, ça c'est la bouche. Le nez, c'est là, le nez. Hi, how are you? Hi, Milan, say hi. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Dada? Allez. Là, on est parti en ambulance. On sait pas du tout ce que Nabila est là. Voilà. Ils ont fait une prise de sang sur place à la maison et ils ont dit qu'il fallait qu'elle aille d'urgence à l'hôpital. Donc nous y voilà. Je sens que ça va être une journée très longue encore. Bon, ben voilà. La pauvre, elle est là. Je suis au bout, les gars. Je sais pas ce que j'ai mangé ou pas, mais je me sens... Genre, j'arrête pas de vomir en fait. Putain. Peut-être que je suis enceinte. Mais non. Je sais pas. Pas du tout enceinte. Je me sens mal. C'est trop bizarre, hein. Franchement c'est trop bizarre. Hier soir ça allait, après dans la nuit ça allait plus, après ça allait. Quand il y avait Milan, elle essayait de pas trop montrer qu'elle était mal. Elle gérait bien le truc. Mais franchement, elle s'est assise par terre sans poids, la tête qui tourne, transpiration. Je fais que vomir. Bon, voilà. Non, c'est pas le Covid. J'ai pas de fièvre. Là, tu vois, j'ai pas chaud. C'est trop bizarre. Je sais pas du tout ce qu'elle a.